Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre de mes aventures fantastiques dans De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, on en est au chapitre 31, Disparu. Et il a disparu. Après avoir joui et s'être assoupi un peu, il part au petit matin. En début d'après-midi, il me téléphone, alors je suis contente. Et en fait, c'est qu'il avait perdu sa carte bleue durant la nuit et se demande si elle n'est pas chez moi. Je cherche partout et non, il était décidément bien stone la nuit dernière. Il me manque, mais va jusqu'à me dire un jour où il répond à un de mes appels par un « tu m'oublies, on s'oublie ». Alors, j'efface son numéro et je me bloque ainsi dans mes élans lyriques, exprimés en poèmes ou chansons tristes. Pour cette réplique, cela m'inspire le mot de la fin. Ne me dis pas que tu ne m'aimais pas, je ne te croirai pas. Ne me dis pas c'est du passé, pour moi rien n'est effacé. Ne me dis pas oublie-moi, je pense à toi. Ne me dis pas c'était comme ça, je ne m'y attendais pas. Qu'ai-je fait? Rien. Qu'ai-je fait? Rien, rien, rien. Oublie-moi. 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 Comment faire marche arrière si toi tu ne regardes jamais derrière? Comment te retrouver puisque tu passes ton temps à te cacher? Comment ne plus pleurer une fois que le mal est fait? Qu'ai-je fait? Rien. Qu'ai-je fait? Rien, rien, rien. Oublie-moi. 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 Un torrent de larmes, ma chair entière, mon sang, pour ne pas dire ma vie, mes nuits, des nuits entières, à me demander ce que je fais sur terre. Je croyais que tu étais ma destinée. J'ai dû me tromper. Qu'ai-je fait? Rien. Qu'ai-je fait? Rien, rien, rien. Oublie-moi. 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 Tu m'oublies. On s'oublie. Je reste sur ma faim après tes derniers mots. Je n'écrirai jamais le mot faim. C'est mon dernier mot. Dernière fois que j'entends sa voix. Et chaque fois que je croise quelqu'un en ville qui lui ressemble, j'ai des hauts le cœur, la respiration coupée, le cœur qui bat vite, hein, les jambes qui flageolent et l'impression que je vais m'évanouir. Mais c'est jamais lui. Et à chaque fois que je croise un de ses potes, pas celui de la vengeance, un autre avec lequel on était parti durant l'été un week-end dans le camion pour se faire un Rainbow Festival dans les montagnes à manger des fleurs. Et lui apparemment il s'était fait un trip avec de la cendre dans une yourte. Alors lui, à chaque fois, je le questionne s'il l'a vu. Tout ça et je le saoule à force. Sur le net, sur les sites de rencontres, car je me dis que de voir d'autres mecs va me permettre de l'oublier dans d'autres bras. J'ai tendance à draguer des copies d'un stéréotype, d'un regard. En fait, je me plante et c'est super décevant le coup de la pseudo-copie. Arrivent les fêtes de Noël, seules dans ma mansarde, sous les toits, dont le mécanisme du Velux a pété. Et je ne peux pas faire marcher mon assurance parce qu'il n'y a pas de bris de glace. Le Velux de plus de 20 ans d'âge n'est plus sous garantie. Et le proprio ne veut pas le changer car il prétend que c'est ma faute. Je passe donc tout l'hiver avec un traversin et des coussins pour colmater l'ouverture du Velux qui ne ferme plus. Un triste soir entre Noël et le premier de l'an, dans cette sale période de fête qui se cumule à la perte de celui que j'aimais, sa disparition de la place toulousaine et mon incapacité à pouvoir encore communiquer avec lui, je suis à l'ordi au bureau sous
sous la soupente du toit et j'ai l'impression d'entendre miauler. Je coupe le son de l'ordi, de la télé et ça miaule bien. J'ai pas une alu. Et ça vient du couloir. J'ouvre la porte et là, un petit chaton qui n'est à personne de l'étage. Ce serait, semble-t-il, celui des anciens voisins qui viennent de déménager et aucun plan pour les contacter. Alors voilà, c'est une petite fille que je prends avec moi en ces tristes moments et que je nomme Bichette. Pareil que comme je surnomme mes copines. J'ai rencontré un Canadien via Internet, il me dit des trucs en anglais. Des fois, je comprends pas tout. Mais des fois, je comprends bien. Et il me fait un de ces effets. Il neige. Et j'ai la tête dans les nuages du haut de ma mansarde. Fin du chapitre 31. Bonne fin de journée. À dans 10 jours.